Je vais me réveiller. Tiens, Miss Eldar? Je crois qu'elle s'est bien amusée au camping et on a même mangé au restaurant hier soir. Bon, aujourd'hui, c'est le jour où on va rentrer chez nous. Allez, go prendre une douche. Ça y est, on va se brosser les dents. Ça y est, hop, je vais ranger ça dans la valise. Ah mais il faut faire les valises aussi. Il faut que je réveille Miss. Elle m'avait dit de lui faire réveiller. Bon, d'abord je vais me changer. Heureusement qu'il y avait une machine à laver ici. On a lavé tous nos vêtements. Alors ensuite, ma montre et les chaussures. Ça y est. Miss, Miss, lève-toi. Hein? T'es réveillée? T'es déjà prêt? Oui Miss, à ton tour. Je vais réveiller les jumeaux et tu t'en occupes avec les jumelles. Je dois leur donner leur bain et changer leurs vêtements. Oui, et oublie pas aussi, le lait. Et surtout, il ne faut pas qu'on soit en retard pour l'avion. Oui, nous avons réservé des billets très tôt. Comme d'hab quoi, nous sommes les gens du matin. Bref, j'y vais tout de suite dans la salle de bain. Allez, je prends ça, je vais prendre une douche. Je suis vraiment stressée lorsqu'il faut aller à l'aéroport. J'ai pas envie de rater mon avion, mais ça va. Une douche, ça me soulage. Ok, ça y est. Ensuite, je vais me brosser les dents. Elle est où ma brosse à dents? C'est pas celle-là, non plus. Elle est là. Hop, allez, c'est parti. Voilà, c'est bon. J'oublie pas de mettre un peu de crème. Voilà, c'est bon. Ah, je suis prête. Le rouge à lèvres, un peu de blush. Voilà, ça y est. Ah, mais je dois faire les valises aussi. Vite, allons réveiller les jumelles. Les jumeaux, réveillez-vous. Ok, je crois qu'ils n'ont pas compris. On va commencer par Adam. Viens ici. Alors, je vais d'abord donner du lait pour toi. Hop, on va laisser dormir ton frère. Allez, tu te mets ici. Voilà, ça y est. Tu peux boire ça. Ah, t'aimes bien? Ok, et maintenant, finis-le. Et ensuite, on va prendre une douche. Allez, c'est bon. On va poser ça ici, hop, et tu viens avec... Ouh, on laisse ça ici, et tu viens avec moi. Je vais te donner un bain. C'est bon, Miss? Oui, c'est bon. Je vais juste me changer. Et ensuite réveiller les jumelles. Ok, moi, pendant ce temps-là, je vais donner un bain à Adam. Hop, mets-toi ici, Adam. Attends, mais j'ai oublié. Il faut remplir ça. Voilà, hop, tu te mets ici, comme ça. Tiens. Des jouets pour toi, et ensuite, un peu de shampoing, voilà. Attends, comme ça, c'est mieux. Alors, t'aimes bien? Oui, t'as l'air d'apprécier. Oh my god, j'ai beaucoup de choses à faire là. Vite, on va ranger un petit peu la valise, je réveille les jumelles après. D'abord, il faut que je m'habille. Alors, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui? Ceci, plus ça, ça, je mets à laver, voilà. Enfin, je veux dire, dans ma valise, ensuite... Comme sac, les boucles d'oreilles, ma bague et mes bracelets. Ça y est. Et comme chaussures, ceci. Ça y est, je suis prête. Bon, allons réveiller les jumelles. Oh tiens, Hercule est encore en train de dormir. On le laisse dormir. On va réveiller les filles. Les filles! Oh, le petit oiseau, il est réveillé. Trop cute. Les filles, réveillez-vous. Il est l'heure de rentrer chez nous. Oui, maman. Ça y est, on rentre chez nous? Oui. Alors, tu es contente, Rose? Trop contente! Je vais retrouver Roméo! Ok. Mia? Mia, lève-toi! Maman? On rentre chez nous, c'est ça? Oui. Alors, tu es heureuse? Oui. Mais j'aimais bien Paris aussi. Eh oui. On adore tous Paris. Moi aussi. Paris va me manquer. Je suis triste. Mais pas le choix. Il faut qu'on rentre à la maison. J'ai pas mal de choses à faire. On reviendra, c'est sûr. Cool! Moi, je reviendrai peut-être avec Roméo. Oh là là, toi et ton Roméo. Oui, je la comprendrai jamais. Il est bizarre, ce garçon. Je lui ai dit plusieurs fois. Non, pour moi, c'est le meilleur. Ok, ok. Tout le monde est meilleur. Et allez prendre une douche et ensuite, changez-vous. Ok, maman. J'y vais tout de suite. Allez, mon grand. Tu t'arrêtes. Ça y est. Tu t'es assez amusé, ça on laisse ici. Et maintenant on va réveiller ton frère.
Attends, mais d'abord, tu te mets ici? On va changer tes vêtements. Alors, qu'est-ce que tu vas porter aujourd'hui? Ceci. Hop, tu mets ça. Ensuite, tu mets ça, plus ça. Attention, voilà. Mais tu es trop mignon. Allez, mets-toi ici. Tu sais quoi? Joue avec ça. Je vais réveiller ton frère, Hercule. Hercule, mon petit Hercule, viens dans mes bras. Il faut que je te donne quelque chose à boire. Allez, il est là ton biberon. Hop, heureusement qu'on a ces biberons. Vas-y, bois ça et ensuite, on va prendre un bain. D'accord? Comme ton frère Adam. Oh, c'est bon, t'as fini? T'as fait vite? Allez, viens. Maintenant, c'est à ton tour. Hop, avant que les jumelles viennent. Voilà, ah non, ça c'est pas ton shampoing, c'est celui-ci. Allez, regarde, il y a un donut. Amuse-toi. Il a l'air mignon, n'est-ce pas? Oh non, ça va? Ah, je suis rassurée. J'ai eu peur, Hercule. Allez, amuse-toi un petit peu. On va poser ça ici, du coup, ça y est. Allez, tu sors d'ici. Hop, on pose ça aussi. Allez, viens, c'est à ton tour. On va te changer. Qu'est-ce que tu vas porter aujourd'hui? Ceci, ça a l'air pas mal. Ça aussi, ça a l'air pas mal. Ok, on prend ça et une casquette. Voilà, mon cher ami. Ça, c'est pour toi. Non, il faut le porter. Hop, et ça aussi. Voilà, et pour toi aussi, on va te donner ceci. Alors, c'est sympa? Je sais, ça va vous plaire. Bon, je range vos vêtements. Allez, c'est parti. Ah, oh, ils sont réveillés, mes frères? Oui, Rose. Coucou! J'ai les meilleurs frères au monde! N'est-ce pas? Dites-moi que vous aussi, vous avez les meilleures sœurs au monde! Non! Ils sont peut-être en train de dire qu'on n'est pas meilleurs, c'est ça? Ok, je retiens tout ça, moi. Je vais porter ça, je vais ranger ça, et ensuite faire une douche. Voilà! Bon, eh bien, Rose est en train de faire sa douche. Moi, pendant ce temps-là, je vais ranger ça. Mais il n'y aura pas de place dans cette valise. Non, on peut pas mettre ça à l'intérieur. Maman, comment on va faire pour notre petit oiseau? On va pas le laisser ici. Il faut faire quelque chose. Oui, l'oiseau. J'avais complètement oublié. Vous savez quoi? Je pense qu'on peut l'emmener avec nous, bien sûr. Mais il faudra dire à l'aéroport qu'on l'a adopté. Ok, maman. C'est intéressant. Bon, je vais prendre une douche. Je reviens. Ok. Ça fera déjà beaucoup de valises, là, non? Bon, c'est pas grave. Bienvenue dans la famille Miss Lissius. Cher oiseau, tu es très mignon. Allez, je vais me changer ma robe rose. Elle a été lavée grâce à maman. Heureusement qu'il y a une machine à laver ici. Je prends ce sac. Même si ce sac est à Mia, elle est très gentille de me le prêter. J'ai hâte de retrouver mes camarades de classe. On va bien s'amuser. Voilà, ça y est. Reste plus qu'à me brosser les dents. Et ensuite, c'est parti. On retourne à la maison. Je vais porter ça avec des chaussures. Hein? Il est où mon sac? Bon, je vais ranger ça. Et mes chaussures. Ça y est, ma valise, elle est prête. La mienne aussi. C'est bon, on peut partir. Mais les filles, vous avez oublié ça aussi. Allez, je vais ranger ça dans la valise. On va mettre tout ça dans la valise. Il y a ça aussi, plus ça, et ça, le sac. Mani, ton sac. Ah oui, mon sac. Hop, ça y est, on va ranger tout ça. Il y a ça aussi, les cadeaux qu'on a reçus. On met tout ça à l'intérieur. Je crois que c'est bon, on peut fermer tout ça. Ça y est, j'ai tout rangé. Il reste plus qu'à prendre les jumeaux. Allez, je range ça aussi et c'est bon. On peut partir, tout le monde est prêt? Je pense que oui. On est prêtes? Oui, nous sommes prêtes. Avec notre nouveau membre de la famille. Je suis désolée, mais il ne veut pas partir avec vous. Quoi? Comment ça? On n'a pas compris. Pourtant, on l'a adopté. Oui? Pourquoi il ne veut pas? Oh non, on va l'abandonner ici? Oui, vous devez abandonner ici l'aquarium. Ne vous en faites pas. Vous pouvez l'emmener, mais sans l'aquarium. Parce que c'est une peluche, pas un vrai oiseau. Quoi? Donc, depuis tout à l'heure, on parlait à une peluche? Ah bah c'est pour ça. Je me disais bien, elle ne me répondait pas. Moi non plus. Je croyais qu'elle me détestait. Bon bah pas besoin d'aquarium. Ok, j'ai rien compris. Alors c'est quoi? C'est une peluche. Bon, eh bien, cette peluche,
Bienvenue dans la famille quand même. Tu sais quoi? C'est mes frères qui vont t'adopter. Ouh, ils ont l'air d'apprécier. Bon, bah elle fait partie quand même de la famille. Bon, venez. On passe pour la suite de la sécurité. Bon voyage. Merci. Ok, on y va. Bon, eh bien les filles, on a la peluche avec nous. Ok Mia, tu peux mettre mon passeport dans ta valise? Oui, bien sûr. Merci. Allez, viens. Oui, j'arrive. Il faut juste poser nos valises. Ici. Hop. C'est bon, allez-y. Merci. Je pensais encore que cette peluche n'allait pas passer. Ah, c'était un long trajet. Je suis fatiguée. Je pense que nous sommes tous fatigués, Miss. On va se reposer ensuite, faire un dîner. Oui, je crois qu'on va dormir. Et on a besoin d'une grande pause. Bon, je vais aller dormir. Mais d'abord, je vais regarder s'il n'y a pas des courses à faire. Qui range les valises? Je m'en occupe. Cool. Allez, allons regarder si c'est rempli. Super, le frigo est plein. Bon, bah je pourrai cuisiner pas mal de choses dans la semaine. Et je suis très heureuse. J'ai enfin fait les courses et il y a de nouveau du riz et des pâtes dans mon supermarché. C'est trop cool!